Wesh les gars, wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une tenue de police pour vos RP. J'avais déjà fait un épisode, mais je me suis dit que celle-là pourrait plus vous plaire. Donc voilà, elle ressemble à ça. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la faire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à liker et vous abonner, ça me ferait grave plaisir. Et puis si vous voulez d'autres tutos dans ce genre, tenues ou autres, des choses avec des abonnés, dites-moi tout dans les commentaires, je dirai tous vos messages, etc. Du coup, sur ce, j'en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Pour commencer, comme d'habitude, il faudra se rendre dans un magasin de vêtements, n'importe lequel, forcément, c'est pour faire des tenues. Après s'être rendu dedans, vous allez aller dans les hauts. Vous allez descendre jusqu'à trouver Polo. Du coup, vous allez prendre le 45 sur 54 qui est le polo rentrée. Une fois dedans, vous allez prendre le polo Liberty Marine rentrée qui est le 14 sur 17. Après avoir équipé le polo, vous allez descendre. Vous allez prendre le gilet de braquage qui est le 53 sur 54. Et vous allez prendre le 17 sur 75 qui est le gilet straps vert citron. Après avoir équipé ça, vous allez vous rendre vers les pantalons. Une fois dans les pantalons, vous allez descendre dans les pantalons d'extermination, qui est le 9 sur 15. Et une fois dedans, vous allez prendre le treillis noir, qui est celui tout en bas. Après avoir équipé tout ça, vous pouvez vous rendre dans les lunettes. Vous allez prendre les lunettes d'aviateur. Et vous pouvez prendre le 13 sur 23. Pour les chaussures, vous allez prendre des bottes, donc les 1 sur 14. Et vous allez prendre les 67 sur 116, qui sont les bottes tactiques noires. Pour les gants, il va falloir se rendre dans les accessoires. Vous allez prendre les gants. Et puis une fois dedans, vous allez prendre les 60 sur 62, qui sont les gants de cuir noir. Vous pouvez prendre ceux en laine, c'est bien aussi. Mais de préférence, c'est mieux. Enfin, de toute façon, c'est mieux quand ils sont noirs. Après avoir équipé tout cela, on va aller se rendre dans un Emination pour s'équiper d'une oreillette. Une fois arrivé au Emination, vous allez aller là. Vous allez du coup dans les matériels de braquage et vous allez prendre l'oreillette grise. Pour moi, c'est la meilleure, mais après, si vous en trouvez des meilleures, prenez-la. Moi, personnellement, je prends celle-là, je la trouve plutôt sympa et elle va bien avec la tenue. Et puis pour la casquette, on va se retrouver au magasin de masques et puis je vous dirai ce qu'il faut faire. Une fois être arrivé au magasin de masques, vous allez vous rendre dans les chapeaux. Vous allez aller dans les casquettes à l'endroit et vous allez prendre les 59 sur 91. Voilà votre tenue. Du coup, vous pouvez enfin la sauvegarder dans n'importe quel endroit. Donc, magasin de masques, magasin de t-shirts, enfin, oui, magasin de t-shirts et les ammunition. Voilà, du coup, on est à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça me fait grave plaisir. Et puis, je le redis encore, si vous avez des idées, des tutos ou autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'irai check tout ça. Sur ce, c'était Xerox. Ciao!